Nous voilà de retour pour cette première édition du Normandie Metal Fest. Le hall s'est vidé un petit peu. Ils sont tous partis voir Prophétie of Apocalypse. Oui. Et du coup, on a vachement de calme. En fait, c'est agréable. Oui, dis donc. Ouais. On s'entend là. On s'entend. Alors, on est avec nos amis des Hops of Freedom qui viennent de sortir de scène. Ils sont en sueur, ils sont en sang. Ouais. C'était chaud. Hein. C'était chaud, c'était bon. C'était chaud, moi, j'ai adoré. Et toi, Thierry? Pardon? Tu as adoré? Ah oui, bien sûr. Non, je connaissais déjà. Ouais. Non, j'avais peur que tu me dises non, pas du tout. Oh, je peux. Hein. Non, c'était bien. C'était bien, surtout que moi, je les avais déjà vus, je crois que c'était à Notre-Dame de Gravenchon, il y a quelques années, il y a 2 ans peut-être, un truc comme ça. Ouais, c'était ça, avec la soirée avec Patomé. Ouais, exactement. On en parlait tout à l'heure. Alors déjà, bonjour, parce que alors vous vous présentez bonjour tour à tour. On commence par la gauche. On commence toujours par la gauche. Oui. Bon. Veuillez décliner vos noms, prénoms, identité. Clément, du coup, le batteur du groupe. Ok, merci. Batteur. Ensuite, et un peu de chant. Oui. Dans les cœurs, voilà. D'accord. Comme bien tous les batteurs, le micro, ils ont beaucoup de choses à dire. Bien devant le micro, hein. Voilà. Loris, le bassiste et choriste du groupe. Bah, vous êtes tous choristes, je crois, de toute façon. Complètement. Exactement. Ouais, vous chantez tous. Tous choristes. Donc, Lucas, guitariste et chanteur. Guitare-chant, ok. Et lead singer, on va dire. Et Thibaut, guitare-chœur. Guitare et chant, ok. Donc la formation du groupe remonte à quand? 2007. Le groupe 2007. Il est né en 2007, ouais. Line-up d'origine? Pas du non. tout. Non. Alors, non, il est né on en... On t'écoute, donc. Le groupe, il est né en 2007, c'était pas du tout avec cette équipe-là. Ouais. Loris, il est arrivé 6 mois après. D'accord. En gros, donc début 2008. Ok. Et après, on a eu vraiment beaucoup de changements de line-up. Ouais. Avec les vies privées de chacun, les envies de chacun, oui. L'investissement de chacun, enfin, ça a été un peu compliqué. Clément est arrivé en 2010, donc juste après la sortie de notre premier EP. D'accord. Un 5 titres qu'on avait sorti. Et Timo. Moi, je suis arrivé en 2011 pour l'enregistrement du premier album, en fait, qui est sorti en 2012. Ouais, c'est ça. D'accord, donc tu es le seul monde d'origine. C'est ça. D'accord. C'est un peu toi qui as créé le truc, donc, si je comprends bien. À la base, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Vous êtes basé où? On va dire Normandie. Un peu ouais, partout. Mais à la base, le groupe, il est dans la campagne, entre Le Havre et Rouen, Notre-Dame de Gravenchon, par là. D'accord. Et après, ça s'est étendu. Maintenant, on est entre la campagne par là-bas, Rouen, Évreux. Donc, c'est Grande Normandie. Haute Normandie, d'accord. On va dire. Très bien. La réunification. Exactement. Voilà. Tout c'est à fait. Ça. Alors, votre musique est quand même très empreinte de groupes comme, par exemple, je citerai au hasard Halloween. Au hasard. Gamma Ray, mais c'est un peu pareil, parce que ça a été formé par le même. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez comme autre influence? Alors, si on parle chacun notre tour, ça va être très éparse, en fait. À la base, en fait, on a vraiment monté donc, le groupe avec une vision, une idée musicale. Donc, justement, dans cette trempe-là, en mélangeant Gamma Ray, Halloween, Eminem. Rhapsody, Eminem. Hammerfall, enfin voilà, et Laurie ce... aussi. Oui. Laurie, voilà, ouais, pour le final. Et Carlos, non. Et Big Bisou. Un peu d'Aznavour, tout ça. Big Bisou, ok. Voilà, après, ça, c'est vraiment. Moi, c'est mes goûts vraiment personnels. Moi, c'est ce que j'écoute beaucoup, même si ouais. J'écoute d'autres choses. Mais après, on a vraiment chacun des goûts complètement ouais. différents. Qui sont, par exemple les gars, allez-y. C'est assez. Moi, par rapport au gars, en fait, je suis un peu. À part Clément, on a un peu les mêmes goûts, mais. Je suis un peu l'ovni parce que je dois être le seul du groupe qui écoute quasiment pas de métal en fait. Ah oui? Ouais, je suis très rock et très prog en général. D'accord. Donc après tout ce qui est métal prog j'aime bien, mais c'est au début quand Lucas m'a contacté pour rentrer dans le groupe, je suis allé écouter et je me suis dit mais pourquoi? Mais qu'est-ce pourquoi qu'ils moi font en fait? Pourquoi t'as pas dû m'écouter jouer moi, parce que si ça peut te rassurer, on se le demande toujours. Je suis juste pas du tout dans l'esprit. Ouais. Et puis en fait après moi j'étais un peu dans le doute au début, je me suis dit mais les gars vont pas du tout aimer. J'en ai parlé avec Loris et Clément qui m'ont dit justement et Lucas aussi qu'ils aimaient bien ce côté pas du tout power en fait dans ma façon d'aborder les choses. Ouais. Donc Lucas parfois me dit tu devrais en écouter un peu plus et moi je lui réponds toujours mais ça me fait chier. Non mais okay. il a raison parce qu'il rajoute sa patte et ça rajoute quelque chose de moins brutal un petit peu à ce que vous faites et de finalement de plus accessible au grand public, ce qui est pas mal puisque vous allez pouvoir toucher un public beaucoup plus large puis adoucir globalement le son. Oui. Ouais, et puis paradoxalement, je sais que j'aime. Voilà, c'est vraiment pas le style de musique que j'aime bien écouter, mais j'adore en jouer. Enfin, c'est assez bizarre, mais oui. Sûrement aussi parce que j'ai une liberté dans le groupe en termes d'expression qui me permet de balancer un peu ce que moi j'aime sur fond de grosse énergie, et ça c'est vraiment cool. Ouais, d'accord.
Et alors, tu disais que le membre du groupe qui est pareil que toi, c'est Clément. Ok. On va lui laisser la parole, donc. Oui, donc moi, j'écoute aussi pas mal de progressif. Donc, on se rejoint sur ces groupes-là. On... D'accord. On va voir des concerts de Dream ensemble, tout ça. Ouais. Après, moi, j'écoute aussi pas mal de death ou de un peu plus bourrin que le heavy, en fait. Ouais. Sceptic Flesh ou des OPS, ce genre de choses. OPS, ouais, très bonne référence, effectivement. Comment c'est un peu prog aussi, hein. Seul de ouais, voilà, c'est plus, mélange, c'est prog mais un peu plus bourrin. Ouais, sauf les derniers albums qui ressemblent oui, à du Kiki. Oui, c'est vrai qu'ils reviennent vers les origines un peu. Ouais. Donc ce genre de choses. Après, j'ai aussi, je commence à découvrir autre chose que le métal et à écouter pas mal de trucs, la funk. Ou... Ouais, comme par exemple. Snarky Puppy, je sais pas si ça vous parle. Pardon. Snarky Puppy. Un groupe Snarky Puppy. Ah oui, pardon. Non, j'avais pas compris. C'est un groupe américain qui fait pas mal de musique du monde, funk. Qui date des années après 2000, c'est ça? Snarky, il ouais, peut pas connaître. Merci, patron. Voilà, du coup, j'écoute pas mal de choses en dehors du métal maintenant. Donc, un peu évolué. Par contre, toi, tu es de la même obédience que. Bah, que ton chanteur guitariste. Ah, pardon, t'avais pas fini, excuse-moi. Mais non, il veut dire un truc, là, il arrache pas le micro. Vas-y. Pour une fois qu'il a un micro. L'ambiance dans le groupe, c'est primordial. Pour ma part, c'est vrai qu'étant... à la base, j'étais aussi un peu dans le métal, comme ça, même si j'étais plus dans le métal extrême aussi. Ouais. Mais j'ai eu une grosse phase, pareil, de Gamma Ray, de tout ça. D'accord. Mais plus je vieillis, plus ça évolue. Ouais. Pareil, hein, beaucoup de prog, mais c'est vraiment varié. Je peux, j'écoute aussi bien du funk. D'accord. Je peux m'éclater comme ça à la basse, et même parfois du jazz ou ouais, du jazz. Ce genre de choses quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment. Alors, ringard. Aucune limite. D'accord. Ouais, ça se ressent d'ailleurs sur scène quand tu as un jeu de scène qui est très jazzy. Bass. Oui, ouais, complètement. Ça, je me suis inspiré des plus grands pour ça. Oui, oui. Ok. Au niveau sortie album, donc vous en avez fait combien? On a deux albums et un EP. Donc on a eu un 5 titres qui est sorti en 2010. Ouais. Le premier album, Hopes of Freedom, qui est sorti en 2012. D'accord. Et là, le Burning Skyfall, qui est sorti en 2016. 2016. D'accord, c'est de l'autoproduction. Ouais. 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 Ok. Vous n'avez pas de label? Si, on est en distribution chez Brennus. Chez Brennus. D'accord. Ok. Et alors, au niveau concert, vous arrivez à tourner sans trop de problèmes ou ça se passe bien? Sans trop de problèmes, c'est un grand mot, mais ouais. On arrive à tourner un petit peu. Ouais. Depuis le deuxième album, on arrive à sortir un peu de Normandie. Ouais. Donc ça, c'est... Vous avez joué où, par exemple? Bah, on avait fait le Hellfest en off, on a fait Nantes... Vous avez fait le Hellfest? En off. Oui, mais c'est déjà très bien. Hein. C'est ça. Ouais. Il y a eu Nantes, on a eu Paris, on a eu à côté de Bordeaux... Quand, hier soir? Charente-Maritime. Charente-Maritime. Dans le Nord aussi. On est en train de regarder, on a des plans qui se préparent à Strasbourg. Enfin voilà, on essaie de. Depuis le deuxième album, on arrive à tourner plus facilement en dehors des frontières normandes. D'accord. Et alors, vous voyez l'avenir proche, vous le voyez comment pour vous? C'est-à-dire que bon, vous allez essayer de tourner de plus en plus, je suppose, enregistrer d'autres albums, faire des télés, éventuellement des clips. Est-ce que c'est prévu tout ça? Les clips, c'est déjà le cas. On a déjà deux clips en ligne sur YouTube. Sur YouTube ouais. Ouais. Un pour chaque album. Un pour chaque album, ouais. C'est un peu le moyen de promotion qu'on s'est fixé dès le premier album, en fait. D'accord. Après des télés ouais ça serait cool, je suis pas sûr que la conjoncture de l'industrie du disque actuelle le permette qu'on se pointe sur TF1 et qu'on fasse voilà. On a pensé à faire The Voice, on s'est fait lourder dès le premier mais bah, le premier accord. Black Rain qui l'a fait donc pourquoi pas vous non, mais ah. Dans l'absolu les télés ce serait vraiment mortel mais je suis pas sûr que ce soit à l'heure actuelle en France et même en Occident en général, le genre de musique qui s'impose à la télé. D'accord. On essaiera en tout cas d'aller le plus loin qu'on puisse aller, toujours, de faire évoluer les choses, c'est un peu l'objectif, c'est de faire avancer le bousin. Ouais. Mais et sinon, pour rejoindre ta question, ouais, c'est les deux autres points, du coup, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est-à-dire on essaie de tourner, puis on commence à bosser sur le troisième. Ah, je crois qu'en fait, c'est toujours. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu l'inverse de ce qui se passait il y a, je dirais, 20 ans, c'est qu'il faut faire beaucoup de concerts, en fait, ouais. Avant de sortir un disque. En fait. Alors qu'avant c'était un peu le contraire, c'est qu'on faisait un disque et puis après on faisait des concerts pour promouvoir le disque. Ouais mais parce qu'avant il y avait les maisons de disques qui misaient sur les artistes. Exactement. Et qui leur faisaient enregistrer un disque et qui faisaient ce qu'il fallait pour les promouvoir derrière, maintenant c'est l'inverse en fait. Exactement. Donc il faut les budgets pour enregistrer et tout du coup les concerts font les budgets pour enregistrer. C'est, donc, c'est exactement ça. Et c'est vrai que les disques en fait j'ai l'impression que ça se vend de moins en moins, maintenant les gens sont plus, alors déjà pour de la musique gratuite. Ah, complètement. Pour nous est un peu complètement difficile, je dirais. Et en plus, c'est plus sur des plateformes. Enfin, c'est dématérialisé, quoi. Ou là, c'est de la musique payante, mais on sait très bien que nous, si on vend trois albums sur
des marques comme ça de musique payante. Alors, c'est on va s'acheter un café, quoi. C'est marrant parce que paradoxalement, à tout ça, t'as le vinyle qui revient. C'est ça qui est très curieux, c'est que bon, t'as un objet physique qui revient et qui finalement bah, se vend, quoi. Donc c'est comment vous expliquez ça, vous? Je sais pas. Je sais pas si ça se fait vraiment dans tous les styles. Je pourrais pas parler. Si. Ouais, dans tous les styles. Oui. Si, ouais. Tu peux aller dans l'espace culturel du centre Leclerc, d'un centre Leclerc, je dirais assez genre Saint-Étienne-du-Rouvray à côté de Rouen. Ouais. T'as énormément de vinyle en vente, ouais. Et tout style confondu. Hein. Bah est-ce que c'est pas un contre-courant justement de la dématérialisation? Je sais ah pas. Bah je sais pas justement. Peut-être que justement. Je te pose la question. Après, là, c'est un avis personnel. Mais peut-être que je pense que vu que les gens, certaines personnes ne veulent pas du dématérialisé. Oui. Il y a peut-être un côté un peu contre-courant. Je veux quelque chose de très matériel. Et dans ce cas-là, où le vinyle est sûrement plus un plus gros objet que le CD. Bah, moi, c'est ça, exactement. Je sais qu'à l'époque, acheter un disque, c'était une épopée, hein, à une certaine époque. Ouais. Parce que bon, on n'avait pas tous les moyens modernes, et bon, fallait se démerder. Quoi. Mm-hmm. Ouais, ça revient peut-être, effectivement. Peut-être. Ouais, et puis pour ce qui concerne. Alors après, pour les autres styles de musique, je sais pas, mais pour ce qui concerne le métal et le spectateur de métal en général, j'ai quand même pas l'impression que ce soit un mouton à qui on peut faire consommer musicalement ce qu'on a envie. Tout en fait, il en a rien à foutre de ce que les maisons de disques vont lui balancer. Et donc c'est des gens qui sont un peu plus puristes, qui vont être curieux, qui vont aller écouter des choses, et en tant que puristes, qui vont acheter du vinyle, parce que finalement, si on compare le son d'un CD au son d'un vinyle, enfin il y a juste rien de comparable, quoi. La numérisation, ça aide pas pour le son, donc au final voilà. De toute façon c'est pas compliqué. Aujourd'hui ici il y a un stand vinyle, il y a un stand de vente de vinyle dans un festival de métal. Donc comme tu dis, ça corrobore ce que tu viens de dire, quoi, en fait. Et alors vous, au niveau du vinyle, vous avez pensé à en faire ou pas pour vos enregistrements? On y pense. On en a parlé, pense, ouais, déjà. C'est vrai qu'on n'a jamais fait encore. Ouais, mais vous y pensez? Ouais. On y pense sérieusement. Ouais. Bon. T'as une question, David, ou pas? Non, merci. Ok. Non, maintenant que j'ai récupéré mon micro, voilà, ça va. T'as changé les piles, c'est ça? J'ai changé les piles, effectivement. On peut rien te cacher, Thierry. Non, je te demandais si tu avais une question. Oui, alors moi j'avais plein de questions à vous poser parce que bon, j'ai assisté à une grosse partie du concert. J'ai adoré le jeu de scène de toi, le bassiste Loris. Loris, voilà, j'ai pas retenu ton prénom, excuse-moi. Pas de souci. C'était pas très loin de Laurie, d'ailleurs. C'est vrai. On en parlait tout à l'heure. Inspiration principale. Donc j'adore. Comment tu dois le prendre, ça, mais bon. Donc d'habitude le bassiste, il est plutôt très technique, très la tête dans ses cordes et en retrait. Et toi, tu te mets en avant. Je trouve ça génial parce que j'ai toujours rêvé. Je rêvais à la base d'être guitariste et voilà. C'est lui. C'est ma frustration. Six cordes, c'était trop. Donc du coup, ça. Du coup, il bouge sur scène à la place. C'est lui la bombe scénique du groupe, en fait. Non, mais t'as des bassistes qui sont très spectaculaires. Rogan Lemmy, par exemple, il était très spectaculaire. Y en a d'autres. Hein, Geddy Lee Drush, que tu connais sûrement, ceux qui écoutent du prog. Ben, le bassiste, c'est déjà le leader du groupe. C'est le chanteur. Et c'est un excellent bassiste en plus. Donc En prog, de toute façon, les bassistes ont une plus grosse place que dans le reste de la musique en général. C'est pas faux, effectivement. En termes de son, de présence et tout, mais c'est vrai que Loris sur scène, il est. Donc t'es un peu en train de dire, c'est grâce à toi qui amène tes influences prog, qu'il peut prendre sa place. Pas du tout. Tout à fait. Tu peux lui dire merci quand même. Je te remercie, Thibaut. Moi aussi, je t'aime. Merci vraiment beaucoup, du fond du cœur. Alors après, au niveau de la voix et des influences, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on ressent à l'écoute des connotations du métal nordique sur les plans guitare, etc. Sur la voix, des influences celtiques aussi. Il y a certains titres qui m'ont fait penser au Flogging Molly. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, très très bretonnant, on va dire, et très irlandais dans le son. Et puis d'autres bah, qui sont plus planants, effectivement, plus prog, qui est super intéressant. Quoi. Vous avez fait un morceau où ça démarre et t'as une flûte, une espèce de flûte derrière, ouais. Que j'ai trouvé très bien d'ailleurs. C'était une bande, je suppose, c'était une bande. Enfin, il n'y a personne qui jouait donc. Alors, non, oui, c'est des bandes, mais c'est un vrai enregistrement de flûte. Oui, d'accord. Okay. Sur l'album, en fait, toutes les flûtes, on a toute une orchestration qui est justement informatique. Ouais, d'accord. Ce sont des programmations, mais toutes les flûtes, cornemuse, Lian Pipe, sont des vrais musiciens qui sont venus jouer pour les enregistrements. C'est intéressant ça. Et vous avez prévu, ou vous envisagez, pourquoi pas, de prendre un clavier en plus pour rajouter. Non. Ça, on n'y a jamais vraiment pensé dans le sens où. L'avantage qu'on a avec des bandes, c'est qu'elles font absolument. Elles sont pas en grève, elles font pas chier. Elles donnent pas leur avis. On les paye pas cher. Pas comme ça. Non. L'idée, c'est que voilà, il y a plein de moments. Par exemple, si on veut pas mettre de bande, oui, il y a pas de bande. Si on veut un gros passage guitare, c'est comme ça.
Bon, on peut lui dire aussi de se taire. Exactement. Mais ils sont susceptibles. Mais c'est plus compliqué. Je sais pas. Le facteur humain. C'est vraiment le prix de facteur humain. L'idée, c'était vraiment voilà, juste d'avoir un outil qu'on peut mettre comme on veut. Et on n'a pas eu le besoin pour l'instant d'avoir un clavier. Et le fait d'avoir des orchestrations, c'est que ça permet de faire plus que ce qu'un clavier peut faire aussi. C'est-à-dire qu'on sur certains morceaux, on a du coup, on a des flûtes, on a des cordes, enfin on a des cuivres, on a tout l'orchestre qu'un clavier pourrait pas forcément. Ou alors faudrait mettre des bandes en plus du clavier. Ouais, ouais, bah avec un synthé, je parlais clavier plus synthé que pas que ouais, du ouais. piano ou que oui, de oui, l'orgue. Oui, oui, non, je comprends bien. Et voilà un truc un peu plus riche. Ouais, avant d'intégrer un clavier, enfin moi je sais pas pour les autres, mais je pense qu'ils vont rejoindre un peu l'idée. Mon rêve, moi, sur ce projet-là, ça serait vraiment de pouvoir jouer le concert avec un vrai synfo derrière, quoi. Ouais. À la place du clavier, oui, bon, un oui, peu oui, la folie voilà. des grandeurs, du coup, à côté du clavier, mais ça serait carrément énorme juste d'avoir un vrai synfo derrière pour virer les bandes et se dire. Ah oui, carrément. Oh, voilà, mais. Ouais, là, c'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué. Au niveau budget, c'est plus idée qu'on a en tête pour le jour mais, où. Mais ça peut. Mais voilà, mais il y en a plein qui le font. Il y a Anathema qui l'a fait d'ailleurs sur un concert dans une cathédrale qui s'appelle Sort of Homecoming, que je vous recommande. Qui est vraiment très bon. Anathema. Anathema. D'accord. Un groupe anglais. Ouais. De Liverpool. Voilà. Sont forts ces anglais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, en tout cas, je voulais vous féliciter parce que je vous ai vu il y a 2 ans maintenant que vous aviez joué au Puce Moto de Val-de-Reuil. On s'était, ouais. Rencontrés pour la première fois à ce moment-là. Et en tout cas, il y a une grosse progression. Une grosse progression du jeu de scène surtout. Et franchement, ça fait plaisir de voir que ça évolue dans le bon sens pour moi. Et fier d'avoir des groupes normands qui font du métal comme ça, du bon métal parce que. Oui. Et ben merci parce que voilà, c'est de qualité et moi ça me fait vraiment plaisir et je suis fier d'être normand. Et... merci beaucoup. N'en fais pas trop non plus, David. Non, mais j'aime bien. Quand j'aime bien, je le dis. C'est gentil. Ça s'est pas senti que j'aimais bien. Non, mais moi aussi. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, c'est le moment. Ben, un gros big up pour toute l'organisation de ce festival. C'est vraiment super d'avoir un festival comme ça. Ouais. D'avoir un festival comme ça en Normandie. Non, ça, c'est effectivement récurrent. Tout le monde l'a dit. Ouais, ouais, non, mais c'est super. C'est-à-dire que ce genre de festival, ça draine. Il y a un public. On le voit là ce week-end. C'est qu'il y a du monde. Il y a un public pour ce style-là. Tout à fait. Il n'y a pas assez d'événements gros comme ça. Là, ça marche très bien. Donc. Voilà, bravo à tout le monde. Et la petite publicité, c'est qu'on joue du coup au Hipster Café à Rouen le 1er juillet. Pour les j'essaierai d'être là à ce moment-là au Hipster le 1er juillet, tu dis. Samedi 1er juillet au Hipster. C'est la seule date que vous ayez d'assez proche ? Non, on est la semaine prochaine à côté des Andelys pour au North Fest. Au North Fest. À côté des Andelys, où ça précisément ? C'est la brasserie, je crois, Northmen qui organise le festival. Ah oui, c'est un festival. Je ne sais plus exactement le nom du bled, mais c'est vraiment juste à côté des Andelys. C'est la chapelle Saint-Ouen, peut-être, ouais. Exactement. Quelque chose. D'accord. Et bon, ben voilà, on donne le rendez-vous est donné. Et gros big up à The Radio et merci. Tout merci à fait. Beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Ok, à bientôt, les gars. Salut.